Me voici de retour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de mon déballage de plantes du site Au Quoi Général. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez aller la retrouver ici. Je ne fais pas une très très longue intro. A priori, vous avez déjà vu la première vidéo. Let's go pour la suite de cette vidéo. Ça me fait bizarre parce que je viens de filmer en fait, de terminer et je vous dis bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo qui n'est pas trop longue parce que je pense que la première était très longue. On y va en mode random. Let's go, c'est parti. On commence avec quoi? Avec le Magnificum Verdé. Celui-là, je ne voulais pas beaucoup montrer sur Instagram. Et j'ai l'impression que le mien, il a une tête complètement différente de celui qui est sur le site. C'est un seedling, donc c'est une petite plante qui n'est pas encore mature. Oh, bah voilà, la preuve, elle n'a rien à voir avec celle que j'ai déjà. Oh, elle est belle. Moi, c'est ce que j'attendais d'un Anthurium Magnificum Verdé. Magnifique. J'aime beaucoup. Vous en pensez quoi? Elle est belle, hein? En plus, pour moi, c'est pas du tout un seedling, ça. C'est pas du tout un seedling. C'est une grande plante. Allez, voilà. Elle a beaucoup de feuilles. Il en a plein. Trop contente. Ça, c'est Good. Où est-ce qu'ils sont, mes petits pots? Ils sont là. Hop, tu viens là. Je fais vite avant que le soleil se couche. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, Anthurium Amgamarcanum. Celui-là, je l'avais mais je ne l'ai plus. Il est mort. Donc écoutez, je l'ai repris. Il faisait partie de ce que j'ai martyrisé, littéralement. Oh, il est trop mimes. Ah là là, trop beau. J'étais trop triste de l'avoir perdu. Je l'ai martyrisé. Mais bon, grâce à toi, j'ai appris. Trop mignon. Ah, lui, bah pareil, je l'ai déjà. Je ne l'ai pas tué. Oh, il est grand. Ah non, il est mort, lui. Il est mort. Il est tué avec... C'est le... C'est quoi, attendez? Non, Waterburianum. C'est lequel que j'ai? Ah, c'est le Marmoratum que j'ai réussi à garder, qui va super bien. Je sais plus, je suis en train de m'embrouiller. Je les ai tous tués, tous les trois que j'ai reçus, là. Angamarcanum, Marmoratum et Waterburianum. Ils se sont plantés? Je sais plus. Je suis en train de m'embrouiller. Écoutez, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est l'Anthurium Waterburianum. Ils se ressemblent tous. Ça, c'est celui que j'ai mis. C'est bon, je me rappelle. Oh là là. Si, c'est l'Anthurium Waterburianum que j'avais réussi à faire survivre. Voilà, on est d'accord. Mais il n'a pas du tout la même tête que celui-là. Il est trop beau. Magnifique. Et vous voyez dans ma vidéo mes plantes préférées de l'année 2021, je vous montrais un Anthurium Waterburianum croisé avec le Waterburianum. Bah, c'est croisé avec lui. Vous voyez, il est plus large, mais il est beau, hein. Très très beau. Magnifique. Du coup, c'était quoi? C'était Angamarcanum? Je m'embrouille, je vous jure. Ils se ressemblent tous. Mais en fait, quand ils deviennent matures, ils se ressemblent plus. C'est ça aussi. Allez, on va rentrer dans les choses sérieuses. C'est quoi ça? Oh, il est énorme. Attendez, il est trop énorme celui-là. Un petit filet d'anjon. Pastazanum. J'aime bien cette plante. Je trouve qu'elle est hyper sympa. Et je l'aime beaucoup. C'est quoi ça? C'est du moisi. Oh là là. Vraiment très sympa. Écoutez, elle se bouture super facilement. Donc ça, c'est un seedling. Par contre, il y a du moisi partout. Ça, c'est pas bon signe, par contre. Je sais pas c'est quoi. C'est des araignées ou c'est du moisi? Je pense que c'est du moisi, vraiment. Je vais la mettre de côté. On sait jamais. Bref. Philodendron, Pastazanum. C'est une plante qui est rampante aussi. Une nouvelle feuille là. Elle a plein de feuilles, c'est fou. Plus que celle que j'avais reçue la toute première fois. Ça va, ça sent pas mauvais. Je pense que ça devrait aller. Yeah, let's go, la suite. Deuxième philodendron Plomani Citrus. Je vais mettre Plomani Var Citrus. Ah, toujours aussi belle.
trop belle. Oh my god, celle-là, elle est trop belle. Elle est plus belle que la première, vous voyez la différence? Ah, je suis choquée. Magnifique. C'est fou. Waouh. Attendez, elle est où la deuxième? Où est-ce que je l'ai mise? Entre deux plantes, hein, qui pourtant sont la même plante, il peut y avoir tellement de différences. Attendez, on va voir toutes les feuilles une par une. Regardez. Oh, magnifique. Oh là là, my god. Celle-là, c'est celle que je vais garder. Hein. Vous dis. Regardez. Ça, c'est l'autre Plomanie citrus. Oh, quoique, ça se ressemble quand même. Hein. Mais quand même, il y a une différence entre les deux, je trouve. Celle-là et celle-là. On voit pas trop bien. Ça, c'est la première que j'ai déballée dans mon autre vidéo. Et celle-là. On voit pas trop. Mais en vrai, il y a plus. Celle-là, elle a plus d'argenté que celle-là. Ouais. Je suis impressionnée. J'espère qu'elle a un bon système racinaire. Elle est plus grande que l'autre. Je suis contente, là. C'est un philodendron L Choco Red, c'est ça? Ouais, c'est un virucosome 5. C'est appelé virucosome 5. Oh, elle est grande. Wow. La première fois, celle que j'avais reçue aussi était grande, mais oh, elle est belle. Elle est belle. Mais elle est devenue rikiki, vous l'avez vu dans ma vidéo où je vous parlais de ce qu'elles sont devenues. Enfin, en fait, elle est grande, mais les feuilles sont pas si grandes. C'est juste que les pétioles sont mieux. Mais elle est belle quand même. Magnifique. Philodendron L. Choco Red. Waouh. Oh, le tronc, il est fat. Hein. Bah, dis donc. C'est énorme. Enfin, c'est plutôt ça, hein, mais c'est parti de ça, de la plante mère, c'était ça, je pense. Bah, elle a quand même un bon tronc. Il est dans le chocolat, une vraie histoire d'amour. Next. Anthurium, Warocanum. J'ai mis une petite note pour essayer d'avoir un Warocanum qui a une forme large au niveau des feuilles. Parce que chez les Waro, il y a plusieurs formes. Et moi, j'ai celle qui est toute en longueur, toute fine. Donc, j'aurais bien aimé avoir une qui est large pour changer avec la mienne. On va voir si ça a marché. Oh, elle est grande. Oh, elle est belle. Mais ça va marcher. Ah si. Ah si, si, ça a marché. Écoutez, oh, elle est belle, magnifique. Si, écoutez. La mienne, elle est là, on la voit. D'ailleurs, elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Elle est là, la mienne. Oh, on la voit pas. C'est beau, hein. Magnifique. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est la nouvelle feuille ou la vieille feuille? Ah, la vieille feuille. Ah, celle-là, je pense. Regardez comment elle est jaune. Celle-là, elle va partir. Dommage parce qu'elle était belle. Bon, écoute, on en a deux grandes très très belles. Quand j'aime une plante, j'en veux plein. C'est fou. Philodendron luxuriant. C'est une belle grande feuille. Ah, il est mature celui-là. Ah, il est plus mature que ceux que j'avais. Désolée, hein. Moi, je l'aime toujours autant, hein. Écoutez. Sublime. J'ai pas quoi dire d'autre. Sublime, sublime. Magnifique. Je vais pas m'étaler sur cette plante puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo. Et plante préférée, magnifique. Et ouais, philodendron luxuriant. Je suis vraiment contente. Il en reste deux. Pour l'instant, en plus mauvais état, c'est mon Anthurium Crystallinum Silver, qui d'ailleurs ressemble pas trop à un silver. C'est la seule qui est un petit peu jaune, le reste ça va. Ah oui, et mon Verrucosum. Mais bon, Verrucosum, je m'y attendais quoi. Philodendron. Anthurium Warocanum Esmeralda. Magnifique. C'est jaune un peu, non? Ou c'est moi? Ou c'est parce que c'est la nouvelle feuille? Je sais pas. Magnifique.
Magnifique. Est-ce qu'elle a perdu un bout de feuille? C'est beau, hein? Magnifique. Quand on voit les deux côte à côte, c'est pas du tout la même chose. C'est beau, hein? Magnifique. Il me reste une plante à déballer. Et la dernière, Anthurium BCA AF, qui faisait aussi partie de mes préférés de l'année 2021. On va voir à quoi elle ressemble celle-ci. Ça sent la beauté là. Ça sent la beauté fatale. Est-ce que je serai trop brutale avec elle? Sûrement. Oh my god, la beauté. La fille l'a déjà. Elle l'a déjà, la fille. Oh my god. Oh là 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 là. Voilà. Comment vous dire? Voilà pourquoi je vous avais dit que je la mettais dans ma favori. Franchement, c'est pas, elle n'est pas incroyable. J'ai pas envie de la lâcher, je vais la garder pour vous dire au revoir dans les mains. Parce que clairement, c'était un bon ordre de préférence, non? Cette vidéo, j'ai pas précisé, j'ai précisé dans la vidéo précédente. Mais ça, c'est des achats de plantes qui ont été faites en novembre et qui ont été livrées en janvier. Donc, il fait moins de dehors. Voilà, et franchement, j'ai pas encore vu les racines. Je voudrais pas trop m'avancer, mais je suis hyper contente. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Bisous, bisous. Bye bye.